c'est Abdul et on se retrouve pour l'épisode numéro 1. Yo les frères, c'est Abdul et on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de FIFA 22 Ultimate Team. Alors au programme, guys, on start la RTG. Donc cette année, ça va être autour de Kylian Mbappé, donc la Road to Mbappé. Et voilà quoi, donc cette FIFA 20, le nom, le joueur c'était Messi. FIFA 21 c'était Neymar to Glory, même si on n'est pas capable de jouer. Cette année ça va être le but ultime, ça va être d'avoir Mbappé. Et puis peut-être l'année prochaine ça va être CR7, quoi. Donc on verra. Donc voilà guys, on start Ultimate Team, on start notre RTG. C'est la première fois que je joue le jeu, même si j'avais déjà accès genre il y a une semaine, peut-être même un peu plus, mais bon, je jouais plus, j'ai pas vraiment joué. Mais voilà guys, donc c'est ça, donc on start la Neymar to Glory, la Mbappé to Glory. Et c'est ça, donc on va ouvrir nos starter packs dans le fond, on va voir, on va faire tous les objectifs de base, là, les fondations, puis voilà, vous les SPC également. Voilà, au moment de votre prise donc, ça, c'est de fonction, comme d'hab, on va y aller d'un pays donné. Ceci renforcera l'entente de on va y aller avec la France là. Je m'en fous de ce que le gars dit. Et puis voilà quoi, donc let's see who we're gonna get in our starter pack. Sur le papier, l'équipe présente quelques lacunes, mais il y a de la qualité. Votre arrivée fera le plus grand bien. Votre première mission consiste à recruter un joueur de prêt pour améliorer un poste. Sélectionnez le joueur que votre recrue prêtée va remplacer. Là, je pense pas qu'il m'a besoin de l'idée. Vas-y, on va y aller avec Rashford. Bien, voilà un renfort de choix. Un joueur prêté défendra les couleurs de votre club pour un nombre de matchs définis. Espérons qu'il... Avant d'aller sur le terrain, il vous faut un maillot. Choisit notre choisissez kit. Le vôtre. Vous pourrez améliorer votre look en trouvant d'autres maillots au fil du jeu. Bon, on va y aller avec celui de l'Argentine. Il y a l'armée. Puis extérieur, il y a lui de Benfica, il y a lui de la France. On prend lui de la France. Mais ça, je vais les changer de toute façon. Surtout s'ils peuvent se ranger puis derrière vous, un écusson. Choisissez le vôtre, PSG, ensuite place parce au que jeu. PSG, dans la vraie vie, c'est comme c'est voilà, c'était pas compliqué. À vous de jouer maintenant. C'est there sur we le go. Terrain que ça se passe. Donc, tout est beau. Je m'en fous de ce que le gars dit. Et puis là, je reçois plein de trucs parce que j'ai joué à FIFA 21 là. Donc, il compte FIFA 21. Donc, on a plein de bails. 4 packs joueurs rares, pack de démarrage, 2 packs en rare. Un petit bonus, 1500 crédits, ok. Puis on a aussi notre pre-order pack Once to Watch, c'est vrai. Donc, c'est parfait. Là, des problèmes, je suis au courant de rien, je viens d'ouvrir le jeu. Puis j'ai... Oh, j'ai 4100 points FIFA. Ah oui, c'est vrai, parce que... je pense que parce que si t'achètes le pack ultime, okay, c'est normal que ça lag. Ça lag. Je pense qu'il va falloir payer 5. Hein. En tout cas, on va ouvrir nos packs. Là, ici, on a un pack qui donne juste. J'ai des player picks, genre. Ouais. Check comment ça lag, c'est tellement pas fluide. Okay, j'ai un chandail. On va envoyer ces chandails-là. Je pense que c'est ceux-là que je vais mettre. Là, j'ai 3 joueurs en prêt. Ah, oh, c'est celui qui donne son. Check comment ça lag. C'est dégueulasse là. Les menus sont tellement pas fluides. Ok, en tout cas, je suis désolé pour ça. Sur le nom du club. Bon, on commence avec notre premier pack. Ok. Il y a des trucs que je vais quicksell, genre ça, je m'en fous, ça. Ça avec. Couleur des sièges. Feu. Lui, il a l'air nice, lui, je vais l'enlever, ça, je m'en fous. Ça avec, ça avec, ça avec. Ça, je peux, je les garde. Bleu et orange, feu, bubblegum.
vu, je kiffe pas trop en fait, je crois que ça. Mais ces deux là sont nice. Puis en même temps on reçoit 3000 coins, fait que c'est bon. Mais c'est tellement lent là, les menus sont lents, c'est incroyable. Check, c'est lent comme menu là. C'est vraiment pas nice. J'espère que le gameplay ce sera pas comme ça, sinon c'est la fin. Next Spike Bros, un petit plein de délai. Ok, si les joueurs ils valent de quoi, je vais les vendre. Il faut pas en fait. Ces gars-là valent pas, genre. Peut-être les contrées ils valent. Ok, les contrats ils valent, je vais les lister là. On va essayer de se faire un pick-up. Les trucs vendables, je vais les vendre. Là, ça avec. Ça en fait, peut-être je pourrais le vendre un peu plus cher que 200. 350 pour l'achat. On va essayer genre 250. On sait. Si je regardais ça, ça ces trucs là se vendent jamais. Ces joueurs on va les keep là. Pour l'instant on va les garder. C'est pas la peine de tout vendre direct là. C'est ça. Là on a un autre pack or. Donc let's see who we can pack here. C'est pas l'ennemi du FC Porto. Pas grand chose. D'autres contrats qu'on va lister. Un peu de cob. La vérité avec les points FIFA, je sais pas si je devrais les dépenser dans les packs. Je pense que je devrais juste genre faire des drafts. Mais en même temps, avant de faire des drafts, faut que je m'améliore dans le jeu. Rouge et noir. Bon, en fait, je sais pas là. Est-ce que ça vaut? Oh. 19, ça. On va le vendre, voir si ça porte. Ça vend pas. Le canonier, il y en a pas en plus. Peut-être je vais le garder, ça. Je vais peut-être l'appliquer à un des joueurs si jamais j'ai besoin. Ouais. Mais déjà, overall, la première impression dans le jeu, c'est que c'est lent. C'est très lent. Surtout les menus là. C'est checker comment ça prend du temps à load. Ici on a un pack que des joueurs, un rare et un rare. Le premier rare qu'on pack, c'est 82 skins d'or. Is he expensive? We'll find out. En même temps, va falloir que j'enlève la musique, hein, si jamais il y a des droits d'auteur. Je pense que je vais tout garder ces joueurs honnêtement. Là. Je vais tous les envoyer au club. Puis voilà, là on a encore 3 packs pareils. On va ouvrir le deuxième, voir. On a 3000 coins en ce moment. Je pense qu'il y a un port là-dedans. Oh, c'est la Inform. Je me disais aussi. Dans ma tête, j'étais comme, il y a peut-être une loi de sauvage derrière, ok. Nice! Il est littéralement discount price, je pense que je vais le quick sell. On va prendre les 10 000 coins. Ces joueurs là, je pense pas qu'ils valent là. Ouais, 800 personnes achètent, peut-être lui. Def central avec 118 pace, peut-être je pourrais l'utiliser au début. Sinon le reste, ils ont pas l'air très usable. On va cook line form, 10 000 coins direct, c'est nice. Un peu de coins de ce côté là. Là, encore une fois, un autre pack joueur rare, dont un 80 plus. J'aurais pu avoir plus de packs d'avant, mais c'est pas le problème, c'est... Oh, Marcelo, nice! Very nice. Je sais pas si... Ben, je pense pas qu'il est bon là, vu qu'il est pas... il est lent. Mais je me demande s'il vaut. Non, il vaut rien. Ok, on va le garder au clé d'avant. J'allais dire dans le fond, j'aurais pu avoir plus de packs pour restart, mais sur FA21, j'ai pas fait tous les pre-season objectifs.
Fait que j'en ai juste 10 là, malheureusement. Donc on est à 13 000 coins, 4 600 points. Smiley. 82 pace, 75 défense. Il a l'air correct lui aussi. On a déjà des doublons, ça part bien. Oh, 2 000! C'est live, ciao bye. On va le vendre. On va prendre l'argent. Peut-être qu'il est fort in-game ce gars-là, c'est pour ça qu'il vaut. Puis ces deux-là, vas-y, on va les lister là. Same thing for this guy. Voilà. Donc c'est ça. Alright, là on a un pack en prêt et non échange. Contient Mbappé en prêt, un ambassadeur fut. Au choix en prêt, un joueur Team Louis. Ok. Ça vient de pre-order. Oh, en plus il est fort ce gars-là. Ça. Hey, c'est parfait pour start ça. C'est sûr qu'il est genre. Oh, un petit Mbappé en plus. En prêt, par contre. Hey, on a déjà hit un jackpot. 40 000 coins. Nice. C'est parfait. Puis là on a. Ah, oh, ça c'est encore le Son Foden truc là. On prend-tu Foden pour les friendlies? Ou on prend un Son pour... Ouais, non, je pense que je vais prendre un Foden. Parce que ces joueurs-là, je vais juste les utiliser en friendlies. Puis en friendlies, de toute façon, leur nombre de trucs là, ils diminuent pas. Genre leur nombre de contrées diminue pas. Fait que ça sert à rien de prendre Son deux fois. On va en prendre deux différents, deux de la première ligue en plus. Donc c'est bon. Donc là ici, on a un guarantee once to watch. Vu qu'on a pre-order FIFA 22. Donc let's see who we can get. Présentement, il y a CR7. Et si on hit CR7, oh, Jack Grealish. C'est un Walker en fait. Donc là, on a Sarr qui est la première ligue. On a Grealish. Mais live avec Man City, il est pourri. Je pense pas qu'il va avoir des upgrades. Malheureusement. Est-ce qu'il vaut cher, là, tu sais? Et merde. Genre c'est pas extrêmement, c'est pas, ouais, je bug, c'est pas genre insane, mais en même temps c'est pas nul. T'sais, j'ai vu des gens packer des once wash 80 général, 81 général, les plus nuls littéralement. Fait que maintenant c'est bien, on a Inform Malangasar. Oh, j'ai un Icon Moment Player Pay en plus en prêt. Je pense que j'allais avec Griff là-dessus. Au lieu de Pelé. Check qui commence lent. Oh le. Non, on va prendre Cruyff. On va prendre Johan Cruyff. Je sais pas pourquoi j'ai un feeling Cruyff est meilleur que Pelé si dans le vous êtes jeu. Prêt à disputer votre premier match, sélectionnez coup d'envoi. Si à certains Ok. moments vous ne Fait que savez là, pas quoi faire. je vais pas commencer. Genre, on va voir qu'est-ce qu'on peut Dans faire là. Ultimate Team, il y a beaucoup de paramètres à apprendre et à maîtriser. Les Ouais, c'est bon, je suis au courant le mind. Ok, fait que marché de transfert, on a déjà fait un truc. Voilà. Donc oui, XX. Oh, on s'en tape de tout ça. Ok, fait que dans les fondations, let's see. Terminé à prendre les bases. Ok, fait que solo ici à Fontaine-Louis. On va tout faire ça, peut-être pas aujourd'hui, mais genre. Oh, les menus sont trop lents, ça me casse les couilles. Les menus sont trop lents. L'événement équipe, c'est la même chose que l'année passée, toujours aussi trash sur moi. Clash Icon. Équipe Kaka, Zidane, Gullit. Je pense que je devrais y aller avec Zizou. Je le sais pas là. De toute façon, je pense pas que je vais faire l'objectif anyways. Ok, progression saison, ça c'est la même chose. Objectif quotidien, il y a des wants to watch. Il y a les nouveaux débuts. En juin, on get des packs, c'est nice. Mais je sais pas là, j'aurai pas le temps de faire tout ça. Night Rivals.
ça c'est les milestones. Ma TV bug. Ok, fait que... Maître en clan, Maître Champions. Ça c'est toute la même chose que l'année passée, hein. Défi création d'équipe, je pense que c'est nouveau ça par contre. Maître de la draft, équipe bronze. Oh, ça c'est nice. Remporter 15 matchs avec une équipe 100% bronze, 100% argent, ça c'est nice. Même chose avec des first owners. Première ligue. Ça c'est première ligue. Non, ça c'est juste premier détenteur. En rivals. En clash d'équipe. Ben en fait c'est tout rivals. Là. Ouais, ok. Stade développement, ça c'est en jouant dans le fond. Ok. Fait que c'est nice là. Ok. Fait que là. On a vu la team de quad là. Oh, j'ai deux trucs qui se sont vendus déjà. Sûrement des contrats. C'est parfait. Je viens d'y penser, j'ai même pas de contrat, j'aurais peut-être pas dû y vendre, mais ok. Peu importe. J'ai vu lui qui valait genre 3000, c'est pour ça que je l'ai vendu. Fait que c'est bon. Fait que là on va se build. Maintenant on va build notre team. Qu'on puisse. Genre dans le fond l'équipe qu'on puisse faire là. Fait que. Ah oui, en passant, je peux changer le nom de mon club. Je sais pas pourquoi je m'appelle Bonus RSFC. Sûrement des objectifs, la fondation, là. Genre changer son nom, c'est sûr qu'il est là. L'année passée, il y avait ça en tout cas. Mode compétitif, les bases, sûrement il est ici. Nom du club, c'est ça, changer le nom du club.
Alright, les Hey, c'est fait, donc on a acheté notre milieu, notre striker allemand pour 200 coins, donc c'est parfait. Peut-être que je pourrais acheter un milieu anglais également, mais bon. En fait, j'aurais dû checker si j'avais genre un NC. Ok, donc là, AG, AVG, ça, ça va être bon pour le prochain SBC, là. Ils font tout le temps ça à chaque année. Fait qu'il faut juste un striker, deux alliés, puis that's it. Voilà, donc on soumet, on reçoit un petit pack en échange. On va les ouvrir entre temps également. Donc on a 3 packs bronze, un pack à la fin que je sais pas trop c'est quoi. Et puis c'est ça. Donc on va skipper vite fait parce que y'a rien là. Invendable, mais c'est pas grave. On va pixel ces trucs là. Voilà. Maintenant, next pack. Pack premier bronze. Let's see what we can get here. C'est un bronze rare, ben c'est sûr là. Ah, mais c'était une conne méball. Ok, première conne méball qu'on pack cette année. Yazu. On envoie tout ça au club. Et maintenant, prochain pack bronze. Ça prend trop de temps de loader les... C'est abusé, man. Ça prend trop de temps. Si le gameplay est aussi lent, man, ça va être le fun cette année. Hein. En tout cas, là ici on a un pack 2 joueurs, dont un rare. Ok. Donc ça pourrait être un argent, ça pourrait être un bronze. Hein. C'est un rare commun. Winter, 83 pace, he looks okay. Deux hors commun, deux hors je veux dire. Donc ça va là. Donc c'est bon, maintenant on avance. Là on a un lien parfait. Joueur argent minimum 2. Joueur de même pays, région max 2. Joueur d'un club max 2. Voilà, donc c'est bon, il est fait. Et ouais. Pays, région. Oh, c'est l'inverse. Oh, je suis trop con, c'est l'inverse. C'est 3 du même pays, mais... Oh... Ok, ben tu sais quoi, on va faire celui-là en attendant, puis on verra si on peut pack d'autres joueurs. Fait que développement défensif. Voilà, donc ça c'est fait. Première partie, done. Donc là on a un pack en un player pick. Def central minimum 80. Ça pourrait être. Oh, c'est max. Les menus lag. Je pense à le SBC là. Je pense qu'il y a aucun ici qui va m'aider. Ouais. Ah, peut-être briser le premier league. Si j'ai un CDM brisé, on va essayer lui. Peut-être qu'il pourrait m'aider. On va l'envoyer au club. Maintenant, quel était exactement le rôle encore une fois. Je pense que j'ai pas lequel, mais je vais switch ça. C'est fait. Voilà, donc c'est bon, on soumet ça. Donc c'est bon, donc là on échange, on a quoi? On a summer player pick, genre midfielder. Ouais, MCR 80 max. Check comment les menus lag, c'est incroyable.
Lui, je l'ai déjà. Peut-être Dawood. Ou lui. Mais j'ai pas de def gauche genre Ligue 1. Autre que Ligue 1. Peut-être j'ai un def central. Oh. On va prendre this guy. Je sais que ça paraît bizarre, je prends pas le plus bas noté, le plus haut noté, mais je pense surtout au dernier. Donc c'est bon, on soumet ça. Et là, donc là c'est fait. Donc on reçoit quoi en échange? Il y a le player pick attaquant, puis général or 80, gardien or. Ok, donc là on a un striker or max 80. On va skipper là, ça lag. Let's take this guy. That is the highest rated. Finalement, gardien max. Ça lag. We'll take this guy. Easier to link. C'est bon. Donc, cette partie-là est faite. Donc là, je vais essayer de faire le truc de fidélité, voir si je peux. Hopefully. C'est bon. Là, c'est fait. Donc, on a un pack argent en échange. Oh, j'ai débloqué un trophée. Squad Building Curriculum. Un pack récompense premier joueur de prêt. Not the best, but not the worst, I guess. Donc ça c'est fait, on va soumettre, on reçoit un pack argent en échange. On va ouvrir le pack argent. Je sais que je dépense mes coins, mais... Ouais, on verra. De toute façon, on va pas se faire de l'argent en grindant le jeu durant l'année, là, fait que c'est pas la fin du monde. Oh, ce pack est tradable, c'est bon. Dans le milieu monopayé. Ça veut dire dans le fond. Alright guys, donc finalement je l'ai faite. Ça a pris 8 ans, mais j'ai dû acheter lui pour 2000, lui pour 1000, fait que ce SBC m'a coûté 3000. Mais bon, on ressent un pack premium or en échange. You never know. Et voilà. Fait qu'on se fait de l'argent entre temps, mais en même temps on en dépense, t'sais. Fait que je sais pas si ça vaut la peine ce qu'on fait en ce moment, mais en même temps je veux vraiment me débarrasser de ça. Je pense pas qu'il vaut. Du moins pas. Clusterman! Let's go! Let's go! C'est pour ça qu'on fait CSBC! 10 000 coins! Let's go! Dwice! Ah, je sais pas, est-ce que je vais en live ou je le. Je sais pas, je pense. On l'a pack l'année passée aussi, Clusterman, il était dans le pack, mais il y avait Messi également. Let's go! Big pull! Donc un petit 10 000 coins. Au pire, on essaie de faire un genre de hybrid, genre. Avec... je sais pas encore quel team je devrais me faire comme starter team. Mais... 10 000 coins, c'est déjà assez bas pour lui, là. La vérité, je pense que je vais le vendre, puis
genre quoi, 10 000? I guess, 10 000. 10 000, 5, 10 000, 200. On verra si un lazy buyer va lui. Voilà, comme ça. 10 000 points. On va le vendre. Et puis, peut-être, je sais pas s'il vaut lui. C'est des offres en haut de 1000. I might sell. Je pense pas. Ouais, genre 800, ça vaut pas la peine de le vendre. Peut-être lui vaut. Ouais, 4000. Go down. Ciao, bye d'abord. Ciao, bye. On va take the coins. C'est pour ça qu'on fait CSBC, mais on se fait du cob, c'est parfait. Puis entre temps, en même temps, je vais aller sur le web app, puis je vais checker genre s'il y a d'autres joueurs qui vont le faire. Fait que là, ça, celui-là, c'est le plus dur. Fait que là, il faut joueur de même championnat max 2, joueur de même pays max 2, plus exactement 6.
là normalement c'est bon. Donc j'ai vu, ça a été confirmé. On va aller ici. Voilà. Dans les fondations, s'il vous plaît. God damn.
Let me in, yeah.